Bonjour très chers membres et bienvenue dans une nouvelle édition de HJ Global News. Après avoir célébré la victoire de la Vision 2020 avec la vraie mère qui a proclamé l'établissement de Chonilguk, nous avons en un rien de temps entamé le 7e mois de cette année. Dans ce numéro, nous vous proposerons un élément spécial sur les activités de ce premier semestre et nous évoquerons la grande marche d'espoir vers un monde céleste unifié, véritable force motrice de la Vision 2027. Nous poursuivrons avec quelques nouvelles de la vraie mère, mais aussi de la providence à travers le monde. À travers le cours cosmique de 7 ans vers Canaan, la vraie mère a proclamé le jour du ferme établissement de Chonilguk, qui est le désir originel de Dieu et le rêve de toute l'humanité. Mettant son corps à rudes épreuves, notre mère a parcouru le monde à plusieurs reprises et a favorisé la restauration de 7 nations, de 7 groupes religieux et plus encore la restauration d'un continent. Sur ce fondement victorieux, ont pu avoir lieu les événements commémoratifs du centenaire de la naissance du vrai père et du 60e anniversaire du mariage saint des vrais parents qui furent un véritable succès. Ils ont réuni près de 7000 personnalités de 171 pays, dont 120 anciens et actuels chefs d'État et de gouvernement. Plus tard, avec pour but de réaliser la providence ultime de Dieu, la vraie mère a lancé un deuxième cours cosmique de 7 ans pour l'établissement de Chonilguk, à l'issue duquel, en 2027, à l'occasion du 60e jour du Parent Céleste, nous ouvrirons les portes d'un cosmos céleste. En outre, elle a révélé la nécessité de mettre en place une entité au sein de laquelle toute l'humanité pourra s'unir avec Dieu pour centre. Elle l'a dénommée la Sainte Communauté du Parent Céleste. Un seul 이 땅에 살고 있는 백성들이 하늘 부모님을 몰라서는 안 됩니다. 참 부모를 몰라서는 안 됩니다. 그렇기 때문에 나는 모든 정계, 종교계, 재계, 사상계 할 것 없이 모든 사람들이 하나로 한 깃발 아래 모일 수 있는 하늘 부모님 성회로 발표합니다. Il s'en est suivi plusieurs cultes de lancement de la Sainte Communauté du Parent Céleste dans toutes les régions du monde. Avec en ligne de mire le succès de la Vision 2027, les leaders de Chonilguk et les familles bénies ont promis à Dieu et aux vrais parents de réaliser un monde céleste unifié à l'issue de ce nouveau cours de 7 ans. Au second semestre de l'année 2020, la Fédération des familles de la Sainte Communauté du Parent Céleste se lance dans un nouveau challenge. Les grands rassemblements d'espoir pour l'établissement d'un monde céleste unifié en 2027 qui se tiendront en ligne. Centré sur la FPU et les 6 organisations sous sa tutelle, à savoir le CISP, l'AIPP, l'AIPD, les associations des économistes, des intellectuels et des médias, des dirigeants de divers domaines et près d'un million de citoyens du monde établiront le paradigme d'un monde céleste unifié qui nous rapprochera un peu plus de l'ère d'une Corée céleste unifiée. Avec la période de quarantaine et le confinement engendré par la pandémie de Covid-19, le vrai amour du Parent Céleste, qui transcende le temps, l'espace, mais aussi les barrières linguistiques et culturelles, répandra l'espoir d'un monde céleste unifié. L'été au complexe Etchechonwon où rayonne la beauté de la création. Le mois dernier, la vraie mère nous a exhortés à nous investir corps et âme pour les 7 mois restants de l'année et à faire en sorte que le Parent Céleste opère des miracles durant ce nouveau cours de 7 ans. Le 7 juillet dernier, elle a invité à un banquet spécial des membres de la vraie famille ainsi que des leaders de Chonilguk avec le cœur de partager un chaleureux repas avec tous les membres qui fournissent des efforts incroyables partout dans le monde. Dr Yun Yongo, directeur du siège international, était le maître de cérémonie. Après la prière représentative de Mme Moon Yona, présidente de la FPU Corée,
Madame Moon Julia, présidente de la FFPM International, a offert le toast de la victoire. Les participants qui ont décidé de renforcer leur lien avec les vrais parents et d'apporter la lumière dans ce monde à travers une piété filiale absolue ont entonné des chants pleins d'émotions, créant un véritable moment d'harmonie. La vraie mère qui a ressenti la détermination des participants a chanté avec joie un chant pour la réalisation du rêve d'une seule famille sous Dieu. Les leaders de Chonilguk se sont engagés à avancer avec joie vers un monde céleste unifié éternel qui est le désir originel du parent céleste. Le même jour dans l'après-midi a été célébré l'achèvement de la structure du bâtiment de Hanwon House auquel la vraie mère porte un grand intérêt. Le bâtiment est situé à l'intérieur du centre d'éducation Etie Chonjun Chonbo sur les bords de la rivière Bukan. C'est un bâtiment de style traditionnel avec un toit typiquement coréen connu sous le nom de Hanok qui sera composé d'un sous-sol et de deux étages supérieurs avec une superficie d'environ 407 m². Il révélera la beauté et la saveur de la Corée et sera un lieu dédié à la guérison physique et spirituelle. Intéressons-nous à présent à quelques activités providentielles conduites à travers le monde. Le 30 juin dernier, la FPE Cameroun a organisé une conférence qui avait pour thème « Renforcement du multilatéralisme et de la coopération interparlementaire ». Elle a enregistré la participation de près de 200 VIP, notamment le vice-président de l'Assemblée nationale camerounaise, le vice-président du Sénat, des députés, mais aussi des professeurs d'université. Le panel était composé de 8 personnes, dont des responsables de la FPU et des professeurs d'université. À travers leur présentation, les participants étaient unanimes sur le fait que l'égoïsme et l'ignorance sont au centre des conflits, de l'instabilité et de la pauvreté dans plusieurs nations. Ils ont même évoqué la nécessité d'intensifier l'éducation sur les valeurs de la paix. L'événement s'est achevé avec l'adhésion de 40 nouveaux parlementaires à l'AIPP. La FPE Congo a organisé un séminaire de 2 jours à l'endroit des ambassadeurs de paix sous le thème « Un Congo céleste dans une Afrique céleste ». Les 30 participants, notamment des parlementaires, des leaders religieux et autres hommes d'affaires, ont par la voix du président de la FPE Congo rendu hommage aux vrais parents pour leurs efforts incessants en faveur de la paix. Ils ont promis de s'approprier la FPU et de participer davantage aux nombreuses activités qu'elle mène. Toujours au Congo, la Fédération des femmes en collaboration avec le ministère de la Santé a organisé une campagne de sensibilisation sur le COVID-19. Ils ont ensemble distribué des masques et plusieurs bouteilles d'eau dans un grand marché de Brazzaville. En outre, la FFPM Congo a organisé une activité de dons de sang pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Toutes ces activités ont fait l'objet d'un reportage à la télévision nationale. En Malaisie, les collectivités territoriales en collaboration avec les ambassadeurs de paix ont lancé 18 projets de services communautaires sous la bannière « Un cercle de lumière, assistance en période de COVID-19 ». Ces projets visaient à venir en aide aux familles en difficulté à travers tout le pays. À cause de la pandémie de COVID-19, beaucoup de ménages manquent de revenus basiques. Ainsi, la FPI Malaisie a organisé une collecte de fonds qui a permis de fournir des aliments et des produits d'hygiène à plus de 1000 familles à travers le pays. Cette activité a permis à la FPI de renforcer son partenariat avec les collectivités territoriales, mais aussi de mettre en pratique la vie d'amour vrai. Le 20 juin, la FPI Océanie dans la région Asie-Pacifique a organisé un webinaire auquel ont pris part des membres de l'AIPD. Au total, 76 personnes, notamment des leaders chrétiens, musulmans, bouddhistes et hindous, venus du Népal, de la Thaïlande, de l'Australie ou encore de la Nouvelle-Zélande, ont participé à cette visioconférence. Ils ont donné une perspective morale et spirituelle de la pandémie de COVID-19 et ont tous convenu de l'urgence d'incorporer dans le quotidien la valeur d'aimer son prochain tout en se débarrassant de l'égoïsme. Le 2 juillet dernier, la conférence du leadership du clergé coréen KCLC a tenu sa traditionnelle rencontre de prière du jeudi en faveur de l'unification de la Corée et de la paix dans le monde. À
À une période où la pandémie de COVID-19 est en train de créer une véritable confusion dans le monde entier, 20 chefs religieux se sont rassemblés à cette occasion pour glorifier Dieu et lui exprimer toute leur gratitude. Ils ont prié avec ferveur pour que se manifeste sa puissance et que les œuvres du Saint-Esprit ravivent l'espoir de la réalisation d'un monde céleste unifié. Le 28 juin, IYSP Afrique Centrale a tenu une visioconférence Zoom qui avait pour thème « Guider les futures générations vers un monde céleste unifié ». C'était l'occasion pour les participants de présenter le plan d'action sur 7 ans en vue de la victoire de la Vision 2027. Ils se sont engagés à s'investir davantage dans les programmes Hyojong d'éducation du caractère, le projet Peace Designer ou encore les projets de services communautaires. Un séminaire planifié par la vraie mère à l'endroit des missionnaires spéciaux de Chonilguk a eu lieu au centre d'éducation H.J. Chonju Chonbo. Avec la pandémie de COVID-19 qui entraîne une limitation des mouvements entre pays et rend inévitables les contacts virtuels, les missionnaires spéciaux de Chonilguk ont trouvé une inspiration dans le système de diffusion sur Internet lors de ce séminaire planifié par notre mère. Ils entendent désormais se préparer pour tenir plusieurs visioconférences en ligne qui seront une alternative à l'impossibilité de se déplacer à travers le monde. Une célébration de la publication de l'autobiographie de la vraie mère a eu lieu à Yosu en présence de 330 femmes leaders de la région de Honam. L'événement a été organisé par la Fédération des femmes de la sous-région 4 et parrainé par la Fédération des familles de la même sous-région. Après avoir lu des messages de félicitations envoyés par des députés, Moun Julia, présidente de la FFPM internationale, a appelé les participantes à devenir des mères de la paix et des leaders dans leurs différents domaines d'activité. Les 330 participantes ont ensuite pu apprécier un magnifique spectacle artistique après avoir lu quelques passages de l'autobiographie. Elles ont promis de témoigner de la vraie mère qui a consacré toute sa vie à l'établissement d'une Corée céleste unifiée et à la paix mondiale dans toute la région de Honam. Dans la région Asie-Pacifique a eu lieu la 10e édition de Matching Parental. Cette édition a eu lieu en ligne et a enregistré la participation de près de 250 personnes, parents et candidats à la bénédiction inclus. Les participants étaient originaires des pays d'Asie-Pacifique, mais aussi de la Corée, du Japon, des États-Unis, du Brésil ou encore de la RDC. C'était une occasion pour les candidats de percevoir un peu plus le sens et la valeur de la bénédiction en mariage. Afin de soutenir les familles bénies africaines éprouvées par la pandémie de COVID-19, la vraie mère a effectué un don de $500,000. En Côte d'Ivoire, qui compte plus de 10 000 cas confirmés, le don a été réparti sous forme de kits alimentaires et de produits d'entretien. Près de 1 500 personnes issues de 16 églises locales ont pu bénéficier de ce don. Les familles bénies ivoiriennes ont exprimé toute leur gratitude à notre mère qui a une fois de plus manifesté tout son amour. La clé pour briser toutes ces barrières créées tout au long de l'histoire humaine est le vrai amour que Dieu et les vrais parents nous ont transmis. En cette période de quarantaine et de confinement engendré par la pandémie de COVID-19, nous appelons toutes les familles bénies du monde entier à servir davantage leurs communautés respectives en mettant en pratique la vie d'amour vrai. C'est sur ces paroles que se referme notre édition d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité et que Dieu vous bénisse.